L'idée, en fait, c'était de rajouter de la gamification sur l'application du tech pour aider les utilisateurs et faire comprendre aux utilisateurs l'importance de l'impact du CO2 sur le transport en commun. Si à l'heure actuelle, on est en train de développer l'application mobile avec notre équipe, on traite les données en même temps pour la partie back-end, base de données, et la partie mobile, on l'a présentée hier à notre coach pour montrer l'évolution. Dès la semaine prochaine, on pourra sortir une première version et après, on fera évoluer le projet avec le coach avant la fin de la phase de coaching. Ouais, super, franchement, là-dessus, rien à dire. Au contraire, on a bien les données, on a bien les informations, on a eu 2-3 réunions ensemble en Teams, c'est plus facile pour tout le monde. Mais voilà, c'est nickel, elle est disponible et l'équipe du Data Challenge est disponible aussi. À moyen terme, même à court terme, on espère que notre partie de l'application sera intégrée à l'application du tech qui est utilisée par de nombreux utilisateurs à l'heure actuelle des transports en commun.